Me revoici devant mon champ de pissenlit et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue plusieurs fois et qui je pense est très intéressante et peut en intéresser plusieurs d'entre vous et qui est aussi dans la continuité du bloc sur le travail dont j'ai parlé dans le podcast, que ce soit en tant que freelance ou en tant que salarié. Et la question est: peut-on monter sa société depuis la France sans habiter en Norvège? Peut-on le faire à distance? Alors, je ne vais pas rentrer exactement dans les détails de comment s'installer en Norvège et de comment s'intégrer, puisque j'en ai déjà parlé longuement dans plusieurs podcasts et j'en avais reparlé un petit peu dans le podcast sur le travail. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez rester en Norvège pendant 3 mois. Le visa touristique est de 3 mois. Si vous voulez rester plus de 3 mois, il faut s'enregistrer auprès de la police et du service d'immigration. Et vous avez donc plusieurs façons de vous installer en Norvège et de venir vivre en Norvège. Donc c'est soit de trouver un travail à distance, ce qui est possible, hein, il y en a pas mal qui arrivent, qui viennent juste pour passer des entretiens ou qui passent les entretiens sur Internet. Ça marche plutôt bien, ça dépend dans quel secteur vous êtes, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui arrivent. Vous pouvez aussi bénéficier d'un rapprochement familial ou, dernière solution, c'est de créer son entreprise en Enkelfortag ou en AS. Et c'est ce que moi j'ai fait en Enkelfortag, qui est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur en France. Donc je vais pouvoir vous donner des conseils sur ce statut. Alors, pour répondre donc à la question, et je vais vous donner les explications après, peut-on créer sa société depuis la France sans être en Norvège? La réponse est non. C'est pas possible, puisque comme tout enregistrement auprès du service d'immigration, que ce soit pour essayer de trouver un travail ou pour monter sa société, il faut être sur place. Il faut venir rencontrer les personnes et remplir les documents sur place. On ne peut pas s'enregistrer à distance. Et il faut avoir une adresse. Et c'est là, j'en ai parlé dans le podcast sur comment s'installer en Norvège. Et ça dépend pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres, c'est assez compliqué puisque c'est un peu un cercle vicieux. Puisque pour faire la demande d'un numéro d'identité norvégien, par exemple, si vous faites un enregistrement de société, il faut avoir une adresse. Mais pour trouver un logement et donc pour avoir une adresse, il faut un numéro d'identité norvégien. Donc, c'est un peu compliqué. Et le truc, c'est que quand vous enregistrez votre société, vous allez remplir les documents, vous allez rédiger des statuts, un peu comme la gestion d'une association en France, en fonction des thèmes, des domaines que vous voulez développer dans votre société. Et en fait, en bas du formulaire, vous pouvez cocher un petit onglet dans lequel vous précisez que vous n'avez pas de numéro d'identité norvégien, que vous êtes nouvel arrivant et que vous souhaitez en recevoir. Alors, ce qu'il faut savoir dans ces conditions-là, c'est que évidemment, les premiers points qu'il faut savoir, qui n'est pas très cool, mais c'est que pour s'enregistrer en Norvège, en fait, c'est très à la tête du client, c'est très à la carte, donc c'est pas cool du tout. Sur tous les forums et sur tous les groupes, sur Facebook, etc., les gens ont des expériences complètement différentes. Il y a des gens pour qui ça a été un enfer, et des gens pour qui ça a été très simple, et des gens pour qui c'était un peu chiant, mais pas trop. Enfin, on entend vraiment de tout. Mais surtout, on a l'impression que ce n'est pas les mêmes règles qui sont appliquées à tout le monde. Donc ça, c'est pas cool. C'est vraiment, premièrement, à la tête du client, donc à votre tête, et ensuite en fonction de la personne sur laquelle vous tombez. Donc vous pouvez tomber sur quelqu'un de très cool ou vous pouvez tomber sur quelqu'un de moins cool. Donc ça c'est vraiment pas top parce que du coup ça rend, par exemple pour moi, pour vous expliquer les démarches à suivre et tout ça, ça rend le truc un peu compliqué. Mais toujours est-il que si vous arrivez, que vous n'avez pas de travail, ils vont évidemment regarder un petit peu votre situation. Ils vont regarder, en tout cas nous, hein, je sais pas, moi ça fait 8 ans que j'habite en Norvège, donc c'est peut-être différent maintenant, mais je crois pas, je crois que c'est resté un petit peu quand même dans le même fonctionnement.
Moi, on m'a demandé mon relevé de compte en banque en France pour voir si j'avais de l'argent, puisque du coup, on allait quand même s'installer à deux et on montait tous les deux notre société. Donc, on n'avait pas encore de travail ni l'un ni l'autre. Donc, bah, du coup, direct, on a été dans le radar parce que on n'avait pas de travail en fait. Puis, on allait commencer un business. Donc, c'est pas toujours quelque chose qui marche et en tout cas qui prend du temps à marcher, qui peut prendre du temps. Donc on nous a demandé notre relevé de compte en banque. Nous, on avait fait un prêt conso en France pour avoir justement un petit peu de côté, puisque moi, du coup, mes économies étaient parties dans l'achat d'une voiture pour venir en Norvège, puisqu'avant j'habitais à Paris, donc j'avais pas de voiture. Dans l'achat d'une voiture et dans les frais de déménagement et puis un petit peu d'économie pour subvenir au début, mais pas beaucoup. Donc du coup, on a fait un prêt conso pour justement avoir un peu de ressources et de soldes en fait sur notre compte en banque, puisqu'on savait qu'on allait nous demander ça. Donc on nous a demandé ça, et puis bah nous, comme si vous suivez un petit peu mon histoire et que vous avez écouté les podcasts sur mon installation en Norvège, vous savez que c'est un projet que j'ai préparé pendant longtemps. On a préparé ça pendant 4 ans. Bon, c'est extrême, hein. Vous n'avez pas besoin de préparer votre départ en Norvège pendant 4 ans, hein. Nous, on a été extrême et puis ça correspondait voilà, au temps qu'on voulait y attribuer, etc. Enfin bref, mais on a fait une étude de marché, on a fait un business plan. Donc en fait, on est arrivé avec un dossier au service immigration assez costaud, quoi. On avait déjà trouvé un local pour notre projet à la base. C'était d'ouvrir une école de musique. Donc mon compagnon qui est prof de musique, lui, il travaille dans ce secteur maintenant. Et moi, je savais que je voulais travailler en vidéo, mais je savais que par rapport à la langue, j'y arriverais pas tout de suite. Donc je me suis dit, je vais faire plutôt photo, vidéo en privé et puis de la musique. Donc l'idée, c'était de trouver un local pour ouvrir une école de musique. Donc moi, je faisais cours de chant. Et lui faisait cours de batterie, et puis moi je développais aussi la photo et la vidéo. Et on avait déjà trouvé le local, donc en fait on est arrivé au service immigration avec un dossier un peu béton, parce que en fait on vivait chez des amis, mais vraiment à temps plein, quoi, ils nous accueillaient, donc du coup on a pu utiliser leur adresse. Donc ça c'est un conseil aussi, ça marche quelquefois. Nous on avait un courrier de la part de ces amis-là. Qui disait qu'on habitait chez eux à temps plein et qui justifiait qu'on pouvait utiliser leur adresse. Donc ça a marché. Courrier en norvégien, évidemment. Donc je pense que ça a aidé aussi. On avait ce courrier-là. On avait le contrat de location du studio de musique qu'on avait déjà trouvé. On avait un business plan, une étude de marché et pas mal d'économies sur notre compte en banque français. Donc avec tout ça, du coup, notre immigration a été acceptée. Et ce qui a été très cool, et alors là, j'ai pas d'explication et je pense qu'on a quand même eu de la chance, c'est qu'on a reçu tout de suite, directement, un fødselsnummer qui est un numéro d'identité norvégien permanent. Normalement, dans ces conditions-là, quand on est comme nous, nouvel arrivant avec une société qui n'est pas encore montée, etc. Normalement, on aurait dû recevoir un D-numer, donc un numéro d'identité norvégien temporaire. Je pense aussi que ce qui a joué, c'est que notre dossier pour enregistrer la société, on l'a fait remplir par un cabinet de comptables. Parce que je crois que maintenant il existe en anglais ce dossier pour vous inscrire, mais nous, à l'époque, il y a 8 ans, il n'existait qu'en norvégien. Donc monter sa société en norvégien avec un dossier PDF de 8 pages à remplir, ben, c'était un peu impossible. Donc comme on savait qu'après on voulait faire appel à un comptable de toute façon, parce qu'on ne savait pas comment ça marchait et qu'on voulait faire le truc bien et qu'on avait peur de ne pas bien faire et de se prendre des amendes, etc., on s'est dit de toute façon on prendra un comptable. Donc on a fait appel à un cabinet de compta et c'est ce cabinet-là qui nous a rempli le dossier pour enregistrer notre société en Enkel Fortag et qui a coché la petite case pour recevoir un numéro norvégien et évidemment avec le tampon de la société de comptable. Donc je pense que c'est quand même tout ça qui fait qu'on a reçu directement un futsal numéro. Mais voilà, faut avoir quand même des économies et un projet viable. Si vous arrivez
comme ça, sans projet, et que vous dites je veux juste, je vais essayer de trouver un travail, en fait, vous risquez d'être refusé. Ensuite, concernant la deuxième partie de la question que j'avais reçue, parce que c'était peut-on créer sa société depuis la France ou peut-on transférer sa société française en Norvège? Alors là, déjà, c'est pareil pour un transfert. Il faut de toute façon être sur place. Il y a rien qui peut se faire à distance, il faut être sur place. Et concernant les transferts, alors je ne suis pas experte parce que je ne l'ai jamais fait, je connais personne qui l'a fait, mais du coup je me suis renseignée un petit peu pour vous faire cette vidéo. Et a priori, alors on ne peut pas faire de transfert de société, mais on peut créer une filiale qui s'appelle NUF en norvégien. Mais ça se fait pas trop et j'ai lu sur les sites officiels hein, de l'UDI, etc., que c'était assez mal vu en fait ce genre de société parce que avant c'était un fonctionnement différent, il n'y avait pas besoin d'apport de capital pour monter, pour créer ces filiales. Et du coup, c'était un peu tout le monde qui montait des filiales comme ça de tout et n'importe quoi, et c'était que des trucs qui faisaient faillite et tout, et c'était mal vu. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu pour la création de filiales. Et en plus, ça a changé, et du coup, maintenant, c'est de toute façon, ça revient au même que de créer une AS. Parce que avant 2012, pour créer une AS, il fallait un capital de 100 000 couronnes, ce qui représente à peu près 10 000 euros, donc c'est quand même assez conséquent. Alors que maintenant, pour créer une AS, il faut un capital de 30 000 couronnes seulement. Donc c'est 3 000 couronnes. Donc c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. Disons que si vous n'avez pas de côté 3 000 euros quand vous venez vous installer en Norvège, de toute façon, je pense que votre projet sera un petit peu compromis. Donc c'est pas beaucoup, 30 000 couronnes de capital pour ouvrir, en tout cas démarrer sa société en tant que AS. Donc c'est plutôt recommandé de monter directement une nouvelle société en AS plutôt que de créer une filiale. Mais a priori c'est possible quand même. Donc voilà, faut se renseigner, essayer de trouver des personnes qui l'ont fait. Moi je connais personne qui a fait ça. Mais en tout cas, c'est possible de créer une filiale, mais on ne peut pas transférer une société qui était en France en Norvège. Et de toute façon, pour faire un enregistrement, que ce soit de transfert de société ou de AS, c'est exactement pareil que pour le Hagen Capital dont je viens de vous parler, il faut un numéro d'identité norvégien ou alors faire une demande de dossier, mais il faut avoir une adresse, donc il faut de toute façon être sur place. Dernier petit point, j'en ai parlé aussi dans le podcast, mais dernière solution et possibilité pour obtenir un numéro d'identité norvégien, c'est d'acheter un bien, un logement sans avoir besoin de faire un prêt à la banque. Donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais quelques-uns sont dans cette situation et je connais des personnes qui ont acheté un logement cash, ils avaient l'argent sur leur compte, donc ils ont acheté le logement sans faire appel à des banques norvégiennes. Et du coup, quand vous allez remplir les documents qui vont vous officialiser en tant que propriétaire, eh bien, vous recevrez automatiquement un D-numéraire. Pas un futselnummer, hein, mais un D-numéraire, donc un numéro d'identité norvégien temporaire. Donc, ça peut éventuellement vous permettre de démarrer une activité ou un business si vous pouvez acheter un bien.